Je suis Vanessa Junik, j'ai réalisé le master marketing avec option communication digitale en alternance et je suis issue de la promotion 2019. À la suite de mon bac, j'ai réalisé une licence en information et communication en université, à l'université de Montpellier. Donc formation assez universitaire et théorique, et j'avais besoin de plus de professionnalisation. Donc le master marketing et communication digitale était très intéressant en ce sens. Il était également proposé en alternance, ce qui renforçait ce côté professionnalisation. Et le master proposait aussi des taux d'insertion professionnelle très intéressants, donc ce qui m'a confortée dans ce choix. J'ai aussi opté pour le campus de Valence parce que j'habite à côté, je suis originaire de la Drôme, donc pour la position géographique, mais aussi pour la taille humaine du campus qui me plaisait, surtout après une formation où on était plus de 300 étudiants par promotion. Les compétences que Grenoble IAE m'a apprises et qui sont utiles au quotidien aujourd'hui dans mon travail sont avant tout le travail de groupe et s'enrichir des autres, ne pas réfléchir que par soi-même, faire vraiment un travail collectivement. Je pense que c'est la compétence principale. Il y a également eu l'anglais, puisque Grenoble IAE propose un stage à l'étranger ou un Erasmus obligatoire. Donc moi, ayant des lacunes en anglais à la base, c'est un stage qui m'a énormément aidée au niveau anglais, donc linguistique, mais aussi au niveau culturel et ouverture d'esprit. Je conseille aux étudiants de foncer pour le campus de Valence, qui est vraiment un campus à taille humaine, où on a une relation avec les professeurs qui n'est pas que scolaire, on a vraiment un bon suivi, un bon accompagnement, et c'est vrai que c'est rassurant et confortant, et ça permet d'échanger sur plein de thématiques à ce sujet-là. Et je conseille aussi aux étudiants après l'IAE d'être curieux, de ne pas avoir peur de se poser des questions et de trouver des entreprises qui sont vraiment en cohérence avec ses valeurs. C'est très important, je pense.